Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, votre YouTuber qui vous fait des vidéos pour le divertissement et qui fait des reviews ou des critiques sur le cannabis légal au Canada. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, le cannabis est légal au Canada, géré par le gouvernement. Aujourd'hui, capsule numéro 132, on va faire un produit très attendu des abonnés de Weedman, le Rockstone. The Broken Coast. Et oui, Broken Coast, une des meilleures compagnies de la SQDC, sinon pas la meilleure du Canada. Le Rockstone, c'est le cinquième produit de la SQDC que je vais pouvoir essayer. Et le Rockstone, c'est un cadeau d'un abonné. Je voulais remercier vraiment là, Bruno qui m'a croisé à la SQDC l'Acadie. Ça a été vraiment bref notre rencontre, Bruno, mais vraiment un gros merci. Une poignée de main, il m'a donné le Rockstone. Mon nom c'est Bruno, merci, bonjour, j'aime tes vidéos. J'aurais aimé ça te parler un petit peu plus, Bruno, mais vraiment un gros merci là, de m'avoir donné ce produit-là. 46 et 30, c'est le produit de la SQDC le plus dispendieux par rapport aux fleurs séchées, le cannabis séché. Ici, là, le Rockstone, c'est considéré un hybride. Ce qui est intéressant avec Broken Coast, c'est qu'il indique le pourcentage attitré à la concentration de sativa et d'indica. Je m'explique. Ici, là, ils ont indiqué que ce contenant-là, le Rockstone, c'est... je l'avais tantôt. 30% indica et 60% sativa. J'ai été voir sur le site Leafly pour savoir comment était fabriqué le Rockstone. Parce qu'on sait que le Rockstone, c'est du Sour OG. Donc, ce qui est à l'intérieur, là, c'est du Sour OG. Et puis, le Sour OG a été fabriqué, a été croisé avec deux des variétés les plus populaire au monde, le OG Kush et le Sour Diesel. Mais là, l'histoire, c'est que vous connaissez la compagnie Soleil qui appartient à Afria. Soleil, ils ont un produit qui s'appelle Touché. Et puis le Touché, c'est du Sour Kush. Donc ici, j'ai du Sour OG. Et Afria a du Sour Kush, je voulais me dire, mais c'est deux variétés pareilles. Mais quand on va voir sur le site de Leafly, le Sour Kush, c'est pareil comme du Sour OG. C'est un croisement entre le Sour Diesel et le OG Kush. Donc, ça, je trouve ça un petit peu plate. Les deux compagnies ont fait le même croisement, mais n'ont pas donné le même nom à leur variété. Peut-être que le Sour OG ici a peut-être un petit peu plus de Sour Diesel. On sait que le Sour Diesel, c'est un sativa. Donc peut-être qu'il y a un petit peu plus de Sour Diesel dans ce contenant. Donc c'est pour ça que le croisement là, qui a donné le Sour OG est un petit peu plus sativa, là, 70% sativa. J'imagine que le goût va être similaire avec le produit Touché, le Sour Kush de Soleil. Je vais vous dire, ça a été une des premières variétés que j'ai essayé. Mais je me rappelle que le Sour Kush de la compagnie Soleil, il y avait un goût vraiment sour, un petit goût surette. Un petit goût un petit peu désagréable. Je m'attendais pas à ça, mais c'est vraiment un goût particulier. Tellement particulier que quand j'avais essayé le Ultra Sour de Namasté, je m'attendais tellement à avoir un produit surette. Puis non, ça avait été vraiment sucré avec le Ultra Sour de Namasté. Donc, je suis un petit peu mélangé quand je vois ça là, sur Leafly, que le Sour OG, le Rockstone, c'est le même croisement que le Sour Kush de Soleil Touché, qui est le OG Kush mélangé avec le Sour Diesel. J'ai vraiment hâte de voir ça, le Sour OG. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que j'allais l'aimer avec les arômes que Weedman aime.
quand que j'ai regardé ça ici, là, c'était vraiment citronné diesel sur le site. Et puis les terpènes, là, il y en a 5. Cariophyllène, ouf, ça c'est épicé. Myrcène, c'est terreux. Limonène, citronné. Linalol, je ne sais pas. Et humulène, je ne sais pas. Top 5 hybride, c'est demain. Manquez pas ça. Top 5 hybride, vraiment un top 5 qui est un petit peu plus difficile à faire. Encore une fois, le numéro 1, le numéro 2 des places vraiment solides sur le podium du top 5 hybride à Winman. Vous savez très bien que c'est un top 5 officiel, donc c'est à ne pas manquer. On rouvre ça ensemble, taux de THC ici, là, merci encore à Bruno. Taux de THC 21.2, ça a été emballé le 10 juin. On est présentement là, le 27 août, donc 2 mois et 10 jours environ. 2 mois, 2 semaines que le produit est à l'intérieur. On sait que Broken Coast, toujours, toujours une bonne humidité. Leur seal de sécurité, leur seal pour empêcher l'humidité là, de rentrer dans le contenant. Il est parfait, ce seal-là. C'est vraiment un seal de qualité. Je joue ça avec vous. Je m'attends vraiment à une cocotte de qualité. Encore une fois, avec les terpènes, ça joue beaucoup sur le goût. Je veux pas me prononcer, je veux pas m'avancer. Aujourd'hui, on va prendre le papier Smoking Blue. Un papier que j'ai trouvé dernièrement. Quand même assez mince, si vous avez les doigts un petit peu trop mouillés. Là, moi, j'ai le doigt sèche. Je mouille mes doigts, roule mon joint. Des fois, ils se déchirent. Des fois, c'est un petit peu moins plaisant là, quand ça arrive. Alright, on rouvre ça. Merci à Bruno. Rockstone, on rouvre ça. Mon chandail, hein? Vous le procurez. Quoi? T'as mis du tabac dans ton joint? Des calices. Vous avez vu l'extrait, je l'ai sorti. Ça a été vraiment au début de Winman, cette phrase épique. Alright. Un petit peu stressé, un petit peu énervé. Oui, j'ai la chair de poule. C'est supposé être un gros, gros produit à l'intérieur. Citronné diesel. Broken Coast. Il n'y a pas de petit surplus, là. Faut vraiment percer. Ok. Se couper les ongles, man. Oh, êtes-vous sûr que je vais aimer ça? Ouais, un peu, ouais. Écoute, ça sent un petit peu citronné, un petit peu épicé. Puis en arrière, là, il y a un petit goût là, de OG Kush là, qui a rapport avec le Purps, le Pink Kush. Je sens ça du contenant. Oh, très humide, man. Très, très, très humide. Vraiment givré, extrême. C'est le Broken Coast le moins beau. La cocotte est la plus détruite. Pourtant, c'est en plus la plus humide. Habituellement, quand ça se défait, c'est parce que c'est trop sèche. Là, la cocotte est toute défaite. Très, très humide. Très, très givré. Vraiment de la résineux. Vraiment gommant, là. OK? Regarde, t'es là pour écouter Winman, tu veux la vérité, c'est un petit peu trop humide, là. C'est comme le Sour Kush, là. Ils ont pas pris de chance, mon homme. Vraiment, vraiment résineux, man. Vraiment gommant. Quand tu regardes avec la loupe, là, c'est vraiment beau, là. Vraiment, vraiment. La cocotte est détruite, OK? Comment j'ai... Un, deux, je vais te montrer ça vite, vite avec la caméra, là. OK?
j'ai éparpillé ça un peu. Tu iras voir sur Weed Indica Man. Ok, c'est vraiment détruit. Habituellement, on a deux grosses cocottes. C'est un peu plate pour ça. Mais vraiment, vraiment très, très givré, ok? Je m'enroule un joint de ça. Je vais te mettre une photo vraiment peut-être large sur Weed Indica Man. Peut-être pas juste une cocotte. Je vais te montrer un peu l'ensemble. Donc, le Rockstone, givré au maximum, vraiment extrême. T'as compris ce que je t'ai dit, trop humide, un petit peu trop humide, résineux au bout. La senteur, c'est spécial. Il y a du citronné là-dedans. Là, j'ai hâte de le fumer. Vraiment, il y a vraiment citronné. C'est vraiment un peu les mêmes arômes qui reviennent avec les SQDC. On dirait qu'ils ont 4-5 arômes. Des fois, on regarde sur d'autres sites, là, puis il y a d'autres arômes. Mais, alright. Je roule ça. Je roule ça. J'égrène ça. Je trouve que c'est citronné pas mal. Petite shot de... épicé, puis là je goûte le OG Kush, le goût un petit peu là, du pink, mais c'est sûr que alright, pour ça man, c'est de la grosse qualité man, c'est de la grosse qualité. Plusieurs me demandent, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu deux fois un produit à 22$? Peut-être que oui, tu sais. Peut-être que certains, je pourrais dire que oui. Il est produit à 35$, là, que... Ça vaut rien, man. Broken Coast 46, boum, grosse qualité, là. Mais là, la cocotte était détruite, man. Un peu surpris. Mais le cannabis, c'est incroyable. Là. Je m'en calisse. C'était incroyable. C'était incroyable. Alright. J'en reviens pas que Broken Coast, man, ils ont 5 variétés, les 5 variétés, de la grosse qualité. Ils doivent faire pousser ça différemment, ils doivent... me semble, là, tu leur donnes n'importe quelle variété, ils vont faire de la grosse qualité de même. Mais je me demande vraiment, vraiment... je trouve ça spécial que Rockston, Sour OG, c'est la même combinaison... que le Sour Kush de Soleil. Quand tu vas sur Leafly, L-E-A-F-L-Y, hein, c'est un site que quand tu inscris la variété, il donne toute la description du cannabis, d'où est-ce que ça vient, un peu les buzz, tout ça. Mais le Sour Diesel puis l'OG Kush, c'est les variétés là, les plus populaires dans le monde. Alright, avec les arômes que j'ai sentis, d'après moi, ça sera pas trop sour. D'après moi, ça va être même agréable. On se concentre. Rockstone Sour OG. Alright.
C'est mon meilleur de Broken Coast. C'est mon meilleur de Broken Coast. Mais le Purps, le goût du Pink Kush, le goût du Purps, c'est meilleur pour Weedman. Le Rockston, c'est ma meilleure arôme de Broken Coast. Je goûte un petit peu le OG Kush. C'est citronné avant. Un petit peu le petit goût, de petite affaire, man. Une petite affaire là, du OG, là, du Pink Kush, là. Une petite affaire. Puis il doit y avoir un petit peu là, d'épicé là-dessus, là, une petite affaire. Mais c'est toute une petite affaire. Mais c'est citronné en premier. J'ai l'impression que c'est citronné en premier. Un petit peu de OG Kush. Là, le OG Kush, c'est ça qui est mélangé avec le Pink Kush, là, puis tout ça. Faut le déguster, faut le déguster. Ça coûte cher, ça là. Merci Bruno, man. Hey. Un petit rhume d'été, là. Hey, goûte un petit peu le OG, man. La raison pourquoi je connais un petit peu le OG Kush, c'est que le Pink Kush est fait avec ça, puis j'ai mon ami Yannick. Qui m'a donné un petit morceau de OG Kush que je vais faire la vidéo cette semaine. Des fois, je roule le contenant, puis l'enveloppe, puis je le sens. Puis ça a un petit goût avec le Pink Kush, Purps, tout ça, cette affaire-là. Ah, il est pas vraiment épicé, man. C'est citronné en premier, puis d'autres affaires. Excusez-moi si ça coupe, là, j'étais obligé de me moucher. Donc vraiment, le citronné, là, c'est souvent dans les sativa. Le Sour Diesel, c'est un sativa. Le Sour OG, ça a été fait avec du Sour Diesel. Et puis on regarde sur le contenant, là, c'est 70% sativa, 30% indica. Très intéressant que Broken Coast indique les pourcentages là, à leur hybride. Excusez-moi, faut que je déguste, hein? C'est vraiment très dispendieux. Vous savez que je suis très 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 difficile avec le cannabis, avec les arômes. Plus qu'on en essaye, plus que nos goûts commencent à être un petit peu raffinés. Quand tu as la chance d'avoir du Pink Kush, pourquoi prendre autre chose puis prendre un produit? Tu sais, t'as plein de choix devant toi là. Tu vois ce que t'aimes, tu comprends-tu? Mais pour ceux qui aiment les goûts comme Weedman, Broken Coast, grosse qualité. Mais les arômes, je suis chanceux dans ma malchance, je suis chanceux de pas triper sur les produits Broken Coast à cause des arômes. Ben, ça me coûterait cher. Mais le Rockston, si t'aimes les goûts comme Weedman, puis tu veux essayer un Broken Coast, puis t'hésites, si t'aimes les goûts comme Weedman, tu prendras le Rockston. OK? Quand tu le sens, t'as la chienne, man. Ah, écoute, c'est vraiment un bon mélange. Je veux vraiment te le répéter pour que tu comprennes. C'est citronné mélangé avec du OG Kush, man. J'ai goût de te dire 50% citronné, 35% OG, puis 15% épicé, mettons. Mais tu goûtes pas ben ben là, épicé, man. Mais c'est juste que si ça serait juste citronné avec le goût du OG Kush. Je sais pas, man. C'est ça que ça goûte, man.
c'est la grosse qualité, là, vraiment, là, tu sais. Il paraît que Broken Coast, la partie qui a passé au feu, c'est le côté médicinal. Donc ceux qui commandent du Broken Coast avec du médicinal, vos commandes vont être un petit peu retardées. Mais pour le côté récréatif, il paraît que ça n'a pas touché les serres ou les endroits qui concernent le feu. C'est-tu bien dit? Fait que l'inventaire de cannabis de Broken Coast à la SQDC va continuer pareil. Pour le médicinal, ça va être un petit peu au ralenti. Il n'y a pas eu de blessés dans l'incendie de Broken Coast. C'est un bon cannabis, 70% sativa, j'aurais peut-être dit 60%. Mais c'est plus un sativa qu'un indica. Mais c'est vraiment de la qualité, man. Tu peux pas fumer ça au bon. Ah oui, tu peux! Là, je sais, je t'entends. Je t'entends, je t'entends. Hey, fume-le avec ta vape! J'ai l'impression que je vais le gaspiller, mais je sais que tu vas goûter encore plus les goûts, puis les arômes, puis les terpènes, puis waouh! Ça me fait chier de pas assez buzzer, tu sais. Tu buzzes un petit peu moins, hein, avec le vaporizer, là. Parce que je pense que quand tu brûles à 405 Fahrenheit, je fais chauffer un THC. Mais je pense qu'il y a plusieurs sortes de THC, genre THC1, THC2, je sais pas. Mais je pense qu'il y a un THC qu'on peut brûler à 455 à la chaleur du feu. C'est pour ça qu'on bosse pas assez. On bosse moins. C'est pour ça que j'ai pas le goût de mettre le Rockstone dans mon Mighty. Je veux bosser du plus que je peux, tu sais. Peut-être mettre une petite cocotte dans le Mighty, là. Voir la différence. Ça sent bien, là. Ça sent bien le vaporizer. Je vais le ressortir. Je suis parti en peur. Je pensais fumer avec mon vape à tous les jours. Puis lâcher le joint. Je me suis ralenti. Je suis revenu sur le joint. Mais il faut que je recommence le vape. C'est vraiment une très belle alternative pour fumer. Il y en a qui disent peut-être même, je pense que c'est un petit peu même santé vu qu'on ne fume pas de la boucane, hein, vu que c'est juste chauffé mais pas brûlé. Mais moi je pensais pas que ça faisait longtemps que ça existait, je pensais que ça faisait peut-être juste 2 ans, mais je pense qu'il y en a qui veillent depuis plus que 3-4 ans. C'est vraiment spécial, hein? En plus. Tu peux vaper des comment c'est ça du cannabis, tu peux toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'affaires, mais là on parle de cannabis ici. Commence à être gelé. Vous voyez l'efficacité du Broken Coast Rockston. 21% de THC. Excellent. Fuck. Je veux dire un petit salut, bonjour à Hugo Moody qui m'a identifié dans ses vidéos sur Instagram. Super bon, man, super drôle, c'est écœurant. Puis sûrement un de ses amis, Cléo BPQ, BBQ, BB, BPQ, Cléo BPQ avec sa Corona, avec sa bière. Qui m'a identifié. Vraiment très drôle, man. C'est écœurant. Continue de même, man.
Lâchez pas. Si un jour on peut se rencontrer, faire une vidéo, ça serait épique, ça serait extraordinaire, man. Donc, je lance le message à Cléo BPQ et aussi à Hugo Mudi. Hugo Mudi, je pense que tu joues de la guitare. Tu es un musicien. Salut les boys. Salut les boys. Allez voir mon Instagram si vous comprenez pas. Sur ma story, je les ai mis dans ma story finalement. Alright, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas demain le top 5 hybride. On va travailler très fort pour avoir des résultats parfaits. Je vais être transparent. Les pots de vin ne seront pas acceptés. Broken Coast a été appelé. Et puis, ça va être la dernière chance parce qu'on sait que leurs 5 produits sont dans la catégorie hybride. Mais là, il y avait un produit à 90% Sativa. On a averti que Broken Coast, l'année prochaine, dans le prochain top 5, leurs produits vont être dans d'autres catégories et non pas seulement dans hybride. Donc, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas que Winman, c'est l'original. Winman, c'est la référence. Peace.